On assiste aujourd'hui à l'ouverture du musée de la photo. Pourquoi un musée de la photographie à Rabat ? Écoutez, d'abord, comme vous le savez, Rabat est ville lumière, capitale de la culture. Il est normal d'enrichir Rabat d'un musée avec la photographie, parce que la photographie devient un art à part entière. La position et l'histoire de ce lieu contribuent aussi, sa position géographique, parce qu'il est à côté d'un lieu populaire, qui permet à la culture d'aller vers les gens. C'est-à-dire, on est dans la voie de la démocratisation de la culture. C'est-à-dire que c'est la culture qui va vers les gens. Ce n'est plus maintenant les gens qui vont vers la culture, mais maintenant, même la culture vient vers... Et ça, c'est une exécution des directives de Sa Majesté le Roi de rendre la culture à la portée de chaque Marocain, les conduire vers la lumière. Et c'est très, très, très important de leur donner la lumière pour les amener vers la culture. Et on est un pays précurseur dans ce domaine. Donc il va fonctionner comme tout musée. Il y aura des expositions temporaires, permanentes aussi. Bien évidemment, il y aura. Et on va contribuer aussi à faire en sorte qu'il y ait, par la même occasion, un fonds photographique. On est en train à chaque fois de faire les choses et nous allons avoir un musée qui sera ouvert constamment. Voilà, et à la portée de chaque Marocain. Donc Sidrissi, on assiste aujourd'hui à l'inauguration du musée de la photographie à Rabat. Si vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé, les étapes de préparation de ce musée-là, c'est-à-dire sur le plan de la collection, bien sûr. Est-ce qu'il y aura des expositions temporaires, d'autres permanentes? Comment ça va se passer dans ce musée? D'accord. En fait, c'est une première tentative pour la mise en place d'un musée de la photo. Donc on a entamé cette opération par une expo temporaire. On a donné donc une carte blanche à un artiste, Yassine Alaoui, donc Curias, qui a fait son choix d'artiste et d'œuvre qui figure actuellement dans cette première exposition. Et donc je pense que c'est cet élément qui va nous permettre de pouvoir commencer d'abord à produire des œuvres photographiques et à collecter aussi la collection pour ce musée. Le musée a tendance aussi d'être un espace vivant. Donc essentiellement cet espace, il sera bien évidemment doté d'une collection muséographique, une collection de photos. Et en même temps, pour conserver la mémoire photographique des artistes marocains, et en même temps, ça va être un lieu vivant qui va permettre de temps en temps d'avoir des expos temporaires qui vont mettre en honneur la production artistique photographique marocaine. Si Orias, on vous a donné pour cette première exposition du musée de la photographie la carte blanche, comment ça s'est passé? Je pense que la carte blanche pour moi, c'est une grande responsabilité et c'est un moment historique parce que c'est le premier musée national de la photographie. Et pour moi, c'est une motivation aussi de créer le lien entre la nouvelle génération et notre génération qui est active sur la scène. Et de le mettre ensemble dans un lieu pour créer une énergie et une dynamique sur la photo. Ouais. Mais quels sont les critères qui vous ont poussé vraiment à choisir ces artistes, ces photographes plus précisément que d'autres? Je pense que le choix, c'était très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de photographes. Je pense que les photographes que j'ai choisis, c'était plutôt les photographes actifs dans ma période, dans ma période de ma génération. Et j'ai rajouté aussi la nouvelle génération, qu'ils ont une approche différente, qu'ils ont quelque chose de plus. Par exemple, je prends Mourad Fedouesh qui travaille avec sa famille dans le souk. Et en même temps, il fait la photo. Il fait aussi la photo de son douar à Sidi Yahia. Et pour moi, la simplicité et la spontanéité de Mourad Fedouesh qui m'a poussé à choisir ces photos, même elles sont prises en smartphone. Et la qualité de photos, elles sont pas bien, mais le contenu, il est vraiment intéressant. Alors j'ai des critères comme ça pour le choix. Ouais. Sinon, qu'est-ce que vous pensez en général des photographes, des jeunes photographes? Est-ce
qu'ils ont du talent? Qu'est-ce que vous pensez de leurs produits photographiques? Je pense qu'on a beaucoup de talent dans la nouvelle génération, surtout maintenant avec la technologie. On peut lire, on peut regarder des documentaires, on peut partager avec les réseaux sociaux. C'est plus facile. Mais il faut avoir quelqu'un qui te guide un peu. Parce qu'avec toutes les informations et toutes les images, c'est facile à se perdre. Alors, il faut avoir quelqu'un qui te montre un petit peu la ligne et des workshops, des formations parfois pour guider ces photographes. Et je pense que le fait d'avoir le musée national, ça peut être un lieu d'encadrement. Ce n'est pas que pour montrer les photos. Ça peut être, par exemple, de chaque mois, avoir une formation dans le musée qui invite les gens de quartier, parce que le musée il est sur le quartier populaire. Et c'est une façon vraiment intéressante de faire ramener les gens de quartier au musée. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la photographie, comme tout art, elle a besoin de talent aussi? C'est-à-dire le photographe, il doit être, en plus de la formation, il doit avoir du talent, de la créativité pour donner quelque chose de très bien, de spécial. Forcément, c'est le talent, ça compte. Et le bon exemple, c'est les jeunes photographes là. Ce n'est pas des photographes que moi j'ai donné des formations ou bien d'autres personnes qui ont donné des formations. Ils ont du talent, c'est pour ça qu'ils sont ici. Et mais j'insiste d'avoir des formations parce qu'on n'a pas une école de photo officielle au Maroc. On a une école de cinéma, de audiovisuel, mais pas une école de photo. On a des écoles privées, mais ça n'a pas vraiment de photo. C'est pour ça, la première étape, c'est le musée. Peut-être la deuxième étape, ça peut être une école de photo. Monsieur Kiloto, les photographes ont actuellement leur musée. C'est un très beau site. Et quelle impression ça vous fait d'être choisi parmi les premiers exposants dans ce musée? Je pense que c'est déjà un honneur, une certaine reconnaissance à la fois des pairs de la photographie, mais aussi de l'État. Souvent, nos travaux sont exposés dans des murs blancs, des galeries. Malheureusement, c'est assez exclusif. C'est une certaine élite qui a l'habitude de visiter ce genre d'endroit. Et pour nous, il est très, très important de pouvoir partager notre travail avec monsieur et madame tout le monde. Et pour votre choix de celui qui a la carte blanche de cette année, M. Alaoui, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il vous connaît? Comment ça s'est passé ce choix-là? Je pense que la communauté des photographes au Maroc, elle est très restreinte, donc on se connaît plus ou moins un peu tous. Il m'a contacté par téléphone pour m'expliquer ce projet-là et j'ai accepté. Expliquez-moi un petit peu le sens de vos photographies. Qu'est-ce que vous photographiez en général? Ce que je photographie vient de deux intérêts, donc la fusion de deux intérêts qui sont à la fois les sciences humaines et la photographie. Donc je fais un travail de sociologie visuelle, un travail de photographie documentaire qui consiste à travailler sur des concepts sociopolitiques. Donc il y a tout un travail de recherche académique qui se fait et par la suite j'essaie d'aller sur le terrain et de vérifier la réalité de ces concepts. Aujourd'hui je montre un travail ici qui porte sur la jeunesse marocaine, qui est inspiré d'un rapport qui a été publié par le Conseil économique, social et environnemental en août 2018. Et qui présentait des chiffres sur la tranche d'âge 15-34 ans, qui était pour moi alarmant. Le Maroc est un pays qui n'est pas rentier, qui n'a pas de grandes ressources naturelles. Sa grande ressource, c'est ces jeunes. Et donc, à voir ces chiffres-là, je me suis dit, malheureusement, ce n'est pas des chiffres qui sont encourageants et que ça serait bien que ce rapport, qui ne sera lu par presque personne, pourrait être illustré à travers de la photographie et avec une volonté relativement humble de pouvoir exposer ces réalités-là. Donc j'ai commencé à travailler sur l'identité avec des jeunes qui vivent dans les villes et c'est un travail que je continue à faire au niveau du rural, etc. Donc l'idée tout simplement, c'est de faire un travail, de s'intéresser à une thématique précise et de pouvoir vraiment l'illustrer à travers la photographie et pouvoir atteindre le plus de personnes.